tu peux mettre une sérigraphie, un bouquin, faire des mix. Ça, c'est le boulanger, là. J'habite dans le quartier, donc voilà, je suis venu déjà parce que c'est bien de faire des trucs comme ça de temps en temps, d'occuper un peu les espaces publics, faire des bouffes comme ça, mais aussi par rapport donc au carnaval de la plaine qui a été attaqué par la police là en mars. Et donc voilà, c'est aussi un soutien au carnaval de la plaine, aux gens qui ont été arrêtés, certains ont fait de la prison ferme, et aussi préparer celui de l'année prochaine, parce que ils auraient bien envie que ça se fasse plus, et donc c'est aussi montrer que voilà, on lâche pas le morceau, et que voilà, il faut qu'ils s'attendent qu'en mars prochain elle sera encore là. On n'a pas fini, hein, je vous le dis. Ah ouais. On a pas commencé. Ça va, ça sort. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être venus en foule au grand loto de soutien au carnaval indépendant de la plaine Noailles. On est chez nous. Ça, à Coboleg. Bon. Alors on vous explique la marche à suivre, parce que certains, c'est peut-être le premier loto de leur vie. On imagine l'émotion, l'intensité de l'émotion. Le loto à Marseille, c'est une tradition, enfin en Provence en général, quoi. Il y a tout un truc autour de ça, quoi. En général, c'est plutôt décembre-janvier. Mais là, bon, situation d'exception, loto exceptionnel. Ça fait quand même 2 ans que le carnaval indépendant de la plaine Noailles est l'objet d'une pression policière insistante. L'an dernier, ils nous ont mis une putain de pression, ils voulaient pas nous laisser défiler, ils voulaient pas nous faire le feu. Mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Et cette année, ils s'étaient décidés à nous punir, quoi. Et donc voilà, les CRS là-bas qui ont chargé le carnaval là, à la fin, quand il y avait le brasier, quoi, quand le caraman en train de cramer, comme on le fait toujours depuis 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans qu'on le fait, on demande une autorisation à Dégueu, on est chez nous, mais il n'y a jamais eu de problème. Quoi. Les problèmes, ils sont là quand ils arrivent. Hein. Alors ils se sont invités dans le truc, ils ont tapé tout le monde, ils ont balancé des gaz lacrymo, alors qu'il y avait des minots, il y avait des vieux, enfin, histoire de fou, quoi. Le 34, Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. Le 17, la révolution russe. Allez, Bouleg, hein? Le 42. Le 42, c'est quoi ça, le 42? Le 84, George Orwell, qu'est-ce qu'il dirait s'il revenait? Oh, voyez, putain, là, le 25, la moitié de 50. Toujours pas de carton plein? Oh putain, on est dans le patch, là. Il y a le boulier qui est constipé. Et il a lâché quand même le quoi. Tu m'étonnes, il voulait pas le lâcher. Le 75, le vilain numéro. Alors, cache-moi. 22, les connés. Le carnaval, ça remonte aux Grecs. Ils sont revenus à Marseille nous l'amener. Mais définissons le mieux.
comme Boris Vian. On est toujours déguisés. Alors il n'y a qu'à se déguiser, comme ça on n'est plus déguisé. Ah, c'est à la fois un exutoire, et puis aussi une façon de mettre en perspective un certain nombre de problèmes. Le carnaval a toujours eu, ou en tout cas il a fréquemment eu, cette dimension contestataire. Hein. En Provence, dès le XVIe siècle, on a les cançons d'Ocaraterun du carnaval de Aix, les seuls textes qui nous soient parvenus qui sont en occitan, qui sont des textes d'une virulence extrême. Quoi. Des textes de contestation sociale et politique contre les dominants, contre le pouvoir en place, qui sont extrêmement virulents, hein, c'est une tradition. Le procès, la tradition du procès aussi, cette tradition contestataire. Nous, on l'a prise du carnaval de Murs, hein, dans le Haut-Vaucluse, où il y a des gens qui font vraiment carnaval à l'ancienne, ils font le procès, en occitan d'ailleurs. Ils font le procès, chacun vient déposer ses doléances, et ça, c'est un truc qui a toujours existé. Alors ouais, il est un peu surinvesti, probablement. Probablement, parce que Marseille, c'est quand même une ville qui a perdu ses fêtes populaires. Hein. Maintenant, la fête populaire, c'est quoi? C'est les virages au stade, quoi. Et en même temps, il y a le pseudo-carnaval de la ville, qui n'est pas un vrai carnaval, qui est juste un défilé costumé des minots, qui n'a pas de dimension contestataire, bordéique, tout ça. Donc nous, on s'est un peu inspiré de l'exemple du carnaval indépendant de Saint-Roch, à Nice. Carnaval de Montpellier, d'autres cas, le carnaval de Murs dans le Vaucluse, d'autres carnavals en Italie, en Grèce, on s'est inspiré de tout ça. Le 83, c'est le mort ça, la Seyne-sur-Mer. Maximum respect pour tous nos amis de la Seyne-sur-Mer. Écoutez, il veut le plus tomber. Quoi.